go à Zoli, à go. Tu vois comme les minas avec les grosses fesses marchent là, tu vois les reines d'Abomé, tu marches avec allégresse. Avec dignité, avec fierté, tu sais que tu es une reine, tu es une princesse, rien ne peut t'arriver. Il dit, mon fils, marche comme un roi. Adieu, go. Rien ne peut t'arriver dans ce monde. L'ombre ne peut pas te prendre. Et puis il dit, Adigo Baba. Baba veut dire le roi. Adigo, le fils du roi. Le fils du roi du ciel. Tu es le roi du ciel. Jésus a dit quoi? Je suis le ciel. Adigo l'a dit avant lui. Bouddha dit quoi? Je suis le roi du ciel. Christ l'a dit quoi? Je suis le ciel. Peter dit quoi? Je suis le ciel. Adigo dit, je suis le roi du ciel. Rien ne peut arriver à l'enfant du ciel dans ce monde. Et il prononce le Katoaré. Papus, dans son livre de la magie, il dit quoi? Yod et Voé est égal à Katoaré. Adigo dit, Adigo Baba, oh Baba, dit, oh hé, hé, et le Katoaré. Donc tu es le Père, tout puissant. Le Fils est le Père. Le Fils est dans le Père, rien ne peut t'arriver. Et le symbolisme d'Adigo, tu verras une tortue. Sur cette tortue, tu verras la cachou. Le charia qui mange le cadavre. Le charia, le satanisme, les sorciers ne peuvent manger le fils d'Adigo. Tu ne peux pas prendre la tortue. Impossible. Adigo est le Père de ce monde. Voilà ce que dit Adigo.